Mais tu es vraiment très beau. Tu as un enfant, Philippe. J'ai fait une demande d'adoption cet été. On n'a pas le droit d'adopter. Sauf si je me fais passer pour un hétéro célibataire. Mais pourquoi ne pas réaliser ce projet avec une femme? Mon histoire personnelle me conduit aujourd'hui à être célibataire. Je crois que ce ne sera plus nécessaire. Pourquoi est-ce que je serais pas un bon père adoptif après tout, hein? Qu'est-ce que les hétéros ont de plus que moi? Allez, t'inquiète pas, bientôt vous aurez les mêmes emmerdements que les autres. Le mariage, les enfants, et même le divorce. Vous ne pouvez pas faire attention! Je suis vraiment désolé, hein, c'est ma carte. C'est aussi mon numéro. Allô? Ça vous dirait de dîner? Oui, pourquoi pas? Mon idée, c'est très simple. Vous me faites un enfant, mais comme simple mère porteuse. Qu'est-ce que vous en dites? Allô? Maintenant? La dénommée Joséphine Paradès a été arrêtée sur la voie publique avec une carte de séjour périmée. Elle a déclaré que vous alliez vous marier. Tout à fait, oui, oui. Absolument. Je suis vraiment désolée. C'est tout ce que j'ai trouvé à leur compter. Je crois que je vais te faire ce bébé. T'es vraiment sûre? Oui. Si tu trouves normal de me larguer pour aller faire un môme à une pauvre fille que t'as croisée 2 minutes dans la rue, va la retrouver ta pondeuse. J'essaie juste de faire un enfant, c'est tout! Bien avec toi. Fina et moi, on va se marier dans 15 jours. Pourquoi t'as fait ça? Tu vas pas me dire que tu serais un hétéro refoulé. On a mis 15 ans à digérer ton homosexualité. C'est pas pour apprendre aujourd'hui que tu vas te marier. Fina, mais qu'est-ce qui se passe? On va le savoir. Je suis tombée amoureuse de toi. Je suis amoureux. Je le serai toujours. Qu'est-ce que tu comptes faire?